Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo-là est possible et je vous promets de vous le donner. L'actualité oblige, surtout aujourd'hui à la une de l'actualité, la situation sécuritaire de l'Est de la RDC, ce qui nous touche particulièrement, touche les Congolais. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous à travers ces duplex pour essayer de relever un peu quelques situations qui touchent la population congolaise et qui met vraiment en difficulté le peuple congolais. À travers vous, nous allons essayer de faire quelques échanges de questions-réponses pour pouvoir assouplir tant soit peu la situation et surtout communiquer les Congolais par rapport à la situation sécuritaire de l'Est de la RDC. Alors, je pense que vous êtes avec nous. Oui, je suis avec vous, messieurs les journalistes, et je vous suis très bien. Et voilà, je suis déjà très heureux d'échanger avec vous, parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas échangé. Donc, je suis prêt pour qu'on en parle, et surtout pour essayer d'expliquer à ceux qui s'intéressent à ce qui se passe à l'Est du Congo, éclairer surtout à ceux qui sont intéressés par cette situation qui est dramatique et catastrophique et qui devrait être condamnée par tout être humain, digne de son nom. Voilà. Alors, aujourd'hui, après multiples stratégies diplomatiques pour essayer de ramener la paix dans la partie est du pays, que le président Félix-Antoine Tshisekedi est en train de mener la diplomatie agissante pour ramener la paix dans la partie est du pays. Aujourd'hui, on était content de voir qu'après la venue du président français Emmanuel Macron, après avoir été aussi dans des consensus avec João Lorenzo, après sa tournée de l'Afrique, on pourrait aujourd'hui avoir la tranquillité de dire que le cessez-le-feu qui était promulgué, qui allait être respecté, malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a que les agressions et les attaques qui continuent dans la partie est du pays. Est-ce que la communauté internationale a prévu des sanctions quant à ce? Malheureusement, la soi-disant communauté internationale, je trouve qu'elle est partiale. Je m'explique. Elle est partiale parce que quand on compare ce qui se passe ici en Europe, notamment en Ukraine, la Russie a attaqué l'Ukraine, tout le monde a condamné. Mais le Congo est attaqué par le Rwanda. C'est l'armée rwandaise. Moi, je ne parlerai pas d'ailleurs du M23. C'est l'armée rwandaise qui change de nom une fois traversé la frontière. Donc, personne, cette communauté internationale ferme les yeux. Ne condamne pas l'agression dont le Congo est victime depuis des années. Donc, cette partialité prouve une fois de plus que le Congo se bat contre l'armée rwandaise d'abord, et contre plusieurs grandes puissances qui sont intéressées, qui veulent piller la richesse du Congo. Les Congolais s'en sortiront gagnants. Je peux expliquer pourquoi. Parce que quand le pays est attaqué et que la population est unie contre ces attaques, la population a toujours gagné. Je peux donner un exemple ici. Par exemple, vous vous souvenez de ce qui s'est passé au Vietnam. Les Américains étaient très puissants, mais les Vietnamiens ont gagné. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés unis. Le Rwanda, je l'ai dit depuis le début, le Rwanda ne peut pas gagner cette guerre. D'ailleurs, ce n'est même pas le Rwanda, c'est Kagame et son régime.
ils ne peuvent pas gagner cette guerre parce que ni les Rwandais ne soutiennent pas cette agression, ni les Congolais ne soutiennent cette agression. Donc, attaquer, commettre des génocides, parce que moi je parle de génocide, quand je vois ce qui s'est passé un peu partout à l'est du Congo, d'Aroma Sissi, donc on peut citer à Kishishe, ce qui s'est passé à Butembo, à Bunagana, tout ça c'est du génocide quand on planifie de s'attaquer à une population parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce que le régime de Kagame fait au Congo et qu'on décide de la massacrer. Donc ça s'appelle un génocide. Et la population congolaise unie, surtout les autorités congolaises, ne peuvent que gagner. Diplomatiquement, vous avez vu les tournées de son Excellence Monsieur Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout à fait. Partout, il a le soutien, partout il passe, il a le soutien de la population. Moi, je m'en fous que les autorités de tel ou tel pays peuvent ne pas être d'accord avec lui. Mais quand moi, je discute avec les Kenyans, je discute avec les Ougandais, je parle, parce que je suis d'origine rwandaise, il ne faut pas l'oublier, je discute avec les Rwandais, ils n'attendent qu'une chose, c'est voir ce régime de Kigali dégagé. Donc, diplomatiquement, d'ailleurs, vous avez vu comment on a enlevé, stoppé les sanctions. Vous avez vu comment, quand il a dit qu'il devait tout faire pour aider les Rwandais à se libérer, je peux vous transmettre les messages que j'ai reçus des Rwandais qui sont là, qui n'attendent qu'une chose, c'est voir justement les Congolais leur donner un coup de main pour se débarrasser de ce régime. Donc, diplomatiquement et militairement, le Congo est de loin supérieur à ces criminels, parce que moi je les traite de criminels parce qu'ils n'ont jamais arrêté de s'attaquer à la population congolaise. Il n'y a que des criminels en fait qui s'attaquent à des civils. Donc, peut-être un dernier mot sur ça. Quand on voit comment l'armée rwandaise, parce qu'on dit M23, mais c'est l'armée rwandaise, elle ne s'est jamais battue pour arriver là où elle est. Elle n'a utilisé que les infiltrations et puis des caches d'armes un peu partout et puis entrer au Congo comme des civils. Comme je l'avais dit, l'armée congolaise ne s'attaque jamais à des civils. Donc, ces hommes de Kagame qui entrent comme des civils, évidemment, ils n'ont jamais été inquiétés parce que c'était considéré comme des civils. Mais une fois arrivés à leur cache d'armes, ils ont récupéré les armes et ils se sont attaqués à la population. Voilà comment ils sont arrivés là où ils sont, mais avec surtout la population, les autodéfenses, l'armée de Kagame ne fera pas de poids. Et ça, c'est une question de temps. Monsieur Gaston, pouvons-nous parler aujourd'hui, après les multiples efforts de l'Union africaine, de l'Union européenne et partout, la SADC et autres, aujourd'hui, on était vraiment abasourdi de voir que la violation de cessez-le-feu est en train de battre le plein dans l'est de la RDC. Est-ce que faut-il chercher d'autres mécanismes que la voie diplomatique? Alors, moi, je pense que le cessez-le-feu ne sera jamais respecté par ces hommes de Kagame. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je me méfie de cessez-le-feu parce que c'est quelque chose que nous avons vu quand on était au Rwanda. À chaque fois que l'armée de Kagame était battue, à l'époque, c'était les rebelles, ça s'appelait le FPR, à chaque fois qu'ils étaient battus, ils demandaient un cessez-le-feu. Et pendant que, justement, on mettait en place les conditions pour que le cessez-le-feu s'applique, il en profitait pour infiltrer un peu partout et commettre des attentats. Donc, qui dit cessez-le-feu, pour moi, ça veut dire l'armée de Kagame doit quitter immédiatement le Congo, retourner au Rwanda. Donc, un cessez-le-feu qui ne dit clairement pas que l'armée de Kagame doit retourner au Rwanda, ce n'est pas un cessez-le-feu. Mais, pour moi, un cessez-le-feu qui n'est pas respecté, c'est Kagame qui perd. Pourquoi? Parce que peut-être ils vont s'attaquer à deux ou trois civils, commettre des attentats. Oui, le Congo se trouve à côté d'un pays
pour moi qui est un pays dirigé par des terroristes, mais avec l'armée congolaise, les équipements qu'ils ont, que l'armée possède maintenant, la population qui soutient cette armée, il ne faut pas oublier qu'à côté du soutien de la population congolaise, il y a la population rwandaise aussi qui soutient l'armée congolaise. Donc, diplomatiquement, quand on dit que l'Union africaine, l'Europe ne bouge pas pour condamner ces agressions, pour mettre tout en œuvre pour que le cessez-le-feu soit appliqué, ce n'est pas un échec diplomatique, mais c'est quelque chose qui va se mettre en place une fois qu'on aura fini pour de bon, une fois qu'on aura fini pour de bon avec cette armée de Kagame. Et c'est ce que l'armée du Congo est en train de faire. Et c'est une question de temps, je vous le dis. Moi, j'ai mes contacts, parce que mon grand-père vient de l'est du Congo. J'ai mes contacts au Rwanda, là où je suis né, j'ai grandi. Donc, c'est une question de temps. L'armée de Kagame ne peut que perdre cette guerre. Cessez le fait ou pas, de toutes les façons, Kagame ne va pas s'en sortir comme ça, parce qu'il ne peut pas gagner. Ouvrons la parenthèse pour parler de EAC. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais, ou soit le président Félix Tshisekedi, qui est à la tête de ces pays, ne regrette-t-il pas d'avoir intégré, ramené le pays dans l'EAC? Parce que si nous revenons dans la charte de EAC, article 4, qui parle de la répartition de terres, qui était un projet caché que le président Félix ne connaissait pas, et il a eu à savoir cet article qui parlait beaucoup plus de la répartition de terres, que les autres membres peuvent aussi occuper d'autres parties de terres des voisins. Alors, est-ce que ce n'est pas un piège qui était tendu pour le président Félix Antoine Tshisekedi? Merci pour cette question, messieurs les journalistes. Mais je peux vous dire que quand on a des accords comme ça, on prend le temps de les lire et puis de les signer. Mais il peut arriver que les autorités disent « Ok, on vous fait confiance, on prend les documents, on va les lire tranquillement et on va les signer par après. » Donc, pour moi, le piège est tendu. C'est déjà prouvé qu'il y avait un piège, mais diplomatiquement, le président Félix Antoine Tshisekedi a montré sa bonne volonté de laisser, parce qu'il ne faut pas oublier que le Congo peut nourrir, tout le monde peut aller faire ses business, tous les Africains, ils ont la chance d'aller faire leur business au Congo. Maintenant, monsieur le président de la République a montré sa bonne volonté de laisser le pays s'ouvrir au pays de l'EAC. Maintenant qu'on a trouvé ce qu'on appelle en fait ici le vice caché, le Congo peut dire stop, on n'applique plus. Donc, ce n'est pas de la faute du président, parce que les accords, vous savez, ce sont des centaines ou des milliers de pages qu'il faut lire tranquillement. Mais si le président voulait intégrer beaucoup plus vite l'EAC, mais c'est parce qu'à l'est du Congo, les businessmen qui venaient de l'est du Congo avaient du mal à faire leur business facilement. Mais comme il a voulu que ces gens fassent leur business et que maintenant on se raconte qu'il y avait quelque chose qui était caché derrière, donc c'était occuper, piller le Congo, ben, il a encore la possibilité de faire marche arrière, parce que c'est son pays que l'EAC veut mettre en danger. Sauf que moi, je peux dire que même l'EAC n'y arrivera pas. Donc, moi, je peux dire que Tshisekedi a été un homme honnête, et on ne peut pas condamner un homme parce qu'il a été honnête. Par contre, il faut condamner les voyous ou les menteurs qui avaient un agenda caché. Maintenant que l'agenda caché a été trouvé, on peut faire marche arrière, dire stop, soit vous enlevez ça, soit on arrête le business qu'on allait faire avec vous. Mais le Congo s'en sortira toujours, parce que ce n'est pas le premier pays qui est attaqué.
et qui s'en sort. Et d'ailleurs, je trouve que le Congo s'en sort beaucoup, beaucoup mieux que les autres pays, Vietnam ou autres, qui ont gagné malgré les puissances étrangères qui les agressaient. Et surtout que le Congo, les Congolais ont en plus de ça les Rwandais, les Burundais, les Kenyans et les Ougandais. Je ne parle pas des autorités, mais je parle toujours de la population. De la population, tout à fait. Alors, juste une deuxième parenthèse, peut-être, pour essayer un peu de voir les chapitres des accords. Est-ce que était-il nécessaire l'accord de l'or qui était fait tout au départ ensemble? C'était à Goma que le président Félix Tshisekedi avait reçu le président Paul Kagame pour essayer un peu de faire un accord de win-to-win quant à la production de l'or. Est-ce que c'était-il impérieux de prendre et de montrer cet accord? Moi, je pense que au début, justement, Tshisekedi avait confiance au président Kagame, c'est ce que je disais tantôt, et il avait raison. Et quand il parlait d'accord win-to-win, ça voulait dire que le Rwanda allait gagner quelque chose. Tout le monde sait très bien qu'il n'y a rien au Rwanda. Je suis né au Rwanda, je vous le dis. Il n'y a ni or, ni diamant, ni coltan, il n'y a rien. Mais c'était une façon de donner un coup de main à un frère. Parce qu'il considérait que Kagame, c'était un frère, un pays voisin, un pays frère. Mais Kagame, c'est comme si on lui a donné le doigt, il a voulu la main, donc tout le bras. Et ça ne peut pas s'appliquer au Congo. Donc quand il dit « win to win », ça veut dire que, un, on allait gagner déjà la paix à l'est du Congo, on allait faire du business avec le Rwanda, parce que le business qui entrait, par exemple, à Goma, ça passait par ça traversait le Rwanda, donc on allait faciliter aux businessmen de passer par le Rwanda sans problème. Maintenant qu'on se rend compte que ce projet « win to win » est devenu quelque chose qui est négatif pour la population congolaise, c'est le moment justement de dire « ok, on stoppe ». Déjà, c'est ce que le président, son excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit. Maintenant, c'est stop. Il faut que le Rwanda dégage, quitte le... Voilà, arrête d'attaquer, tuer la population congolaise. Et c'est le combat que les Congolais doivent mener, et en collaboration, j'insiste, en collaboration avec les Rwandais. Parce qu'il ne faut pas confondre, cette clique qui est à Kigali ne représente même pas 1% de la population. Mais c'est justement ce 1% qui malmène la population congolaise et qui massacre la population rwandaise quasiment tous les jours. Donc, je dirais que, pour résumer, Antoine Tshisekedi Tshilombo a montré sa bonne foi, sa bonne volonté d'aider les Africains. Parce qu'il n'y avait pas que les Congolais, c'était vraiment aider les Africains. Les Rwandais, les Ougandais et les Burundais, beaucoup d'autres, les Sud-Soudanais, qui pouvaient venir faire du business. Et maintenant, au lieu d'en profiter justement, les autorités de ces pays, et surtout le Rwanda, en ont abusé, ils ont voulu vraiment tout prendre, tout piller. Et maintenant que le Congo a dit non, stop, mais c'est stop, mais il ne faut jamais condamner un homme qui a la bonne volonté, qui veut aider les autres. C'est ça ma position. Avant de renfermer la parenthèse de l'EAC, deux petites questions avant de changer aussi des thématiques, juste de renfermer la parenthèse de l'EAC. Est-ce qu'aujourd'hui, il est important que la RDC soit dans la région EAC? Personnellement, si je commence, c'est d'abord cette parenthèse par au niveau militairement. Et dès le départ, j'ai dit que je n'étais pas d'accord que l'EAC intervienne de cette façon. Pourquoi? Parce qu'on a vu que les colonnes des équipements des camions kenyans, par exemple, passaient par le Rwanda. Or, connaissant Kagame, il ne pouvait pas permettre que les armes qui allaient tirer sur ces hommes
parce qu'il faut dire que ce sont ces hommes qui sont au Congo. Kagame n'allait pas accepter que ces armes traversent le Rwanda s'ils allaient tirer sur ces hommes. Donc, moi, je m'en méfiais toujours de l'EAC. La deuxième chose, c'est que le Congo être dans l'EAC, pour le moment, c'est quelque chose qui est négatif, qui ne produit pas quelque chose de positif. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le Burundi aussi qui est dedans et qui a connu exactement les mêmes problèmes. Donc, sortir de l'EAC, ça ne va pas directement donner de résultats. Moi, je pense que le Congo, comme un pays puissant, parce qu'il ne faut pas oublier, le Congo est très puissant. C'est l'EAC en fait qui a besoin du Congo. Ce n'est pas le Congo qui a besoin de l'EAC. À 90%, c'est l'EAC qui a besoin du Congo. Donc, pour moi, sortir de l'EAC, ça ne va pas sécuriser directement le reste du Congo. Par contre, demander que les forces de l'EAC quittent le Congo, ça va produire des résultats. Pourquoi je dis ça? Parce que on a remarqué qu'à chaque fois qu'il y avait les militaires de l'EAC à un endroit bien déterminé, et il y avait toujours le M23 ou l'armée de Kagame qui était tout autour sans problème. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Pour moi, sortir de l'EAC, ce n'est pas quelque chose qui va être directement positif, mais l'armée de l'EAC qui quitte le Congo, ça va changer beaucoup de choses dans cette histoire. Ah, voilà. Alors, monsieur Gaston, déjà, est-ce que ça ne va pas fragiliser les commerçants congolais? Parce que, en attendant, en écoutant le président Félix Antoine Tshisekedi, il a donné les raisons de l'intégration de la RDC dans l'EAC. C'était pour faciliter la transaction et surtout pour les Congolais qui faisaient les affaires par la transaction, l'exportation et importation du côté des ports de l'Est était impérieux. Où il était normal que tout le monde puisse avoir la même carte qui va essayer de faciliter les prix même pour la douane, les prix même pour les frets et tout cela. Alors, quitter l'EAC aussitôt, est-ce que ne va pas fragiliser les commerçants, les hommes d'affaires congolais quant à ceux? Vous savez, quand il y a la guerre, malheureusement, ça fait partie des points négatifs les hommes d'affaires vont être fragilisés. Mais pour moi, ça sera quelque chose à court terme. Pourquoi? Parce que le Congo est capable d'établir ce qu'on appelle un pont aérien entre Kinshasa ou Matadi et Goma ou le Sud Kivu, donc au Bukavu, sans problème. Et en attendant qu'il y ait une solution durable. Je sais que peut-être les hommes d'affaires qui venaient de l'Est du Congo en profitaient facilement. Les affaires ou bien les marchandises pouvaient venir facilement parce qu'il n'y avait pas de contrôle. Parce que dans cette histoire, à la base, c'est contrôler les marchandises qui entrent et qui sortent. Mais quand on laisse une frontière ouverte comme ça, c'est comme ça que les armes sont entrées à l'est du Congo. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas comme ça que l'armée de Kagame ne s'est pas abattue. Donc, on fait entrer les armes, on fait entrer les militaires, soit en disant comme des chauffeurs, soit en disant comme des conducteurs de bus, alors que ce sont les hommes de Kagame qui entrent au Congo. Donc, pour moi, je vais proposer à mes amis, il faudrait que le Congo établissent. Le Congo est capable d'ailleurs de décréter un embargo contre le Rwanda. Les gens ne se rendent pas compte l'impact que ça peut avoir sur le Rwanda. Je peux vous dire que maintenant, depuis que les Rwandais qui habitent à l'ouest du Congo, à l'ouest du Rwanda, région d'ailleurs très fertile, qui nourrissait quasiment le reste du Rwanda, depuis qu'ils ne savent plus venir faire leur business à l'est du Congo, mais il y a des gens qui meurent de faim. Donc, pour mettre fin à tout ça, fermer les frontières, ça va impacter pendant une courte période les businessmen qui sont à l'est du Congo. Mais c'est le prix à payer pour que au moins les armes
n'entrent pas facilement à l'est du Congo. Parce que ces armes, ça entrait via. Donc, le Rwanda pouvait les envoyer parce qu'il n'y avait pas de contrôle. Qui dit quitter Réassé dit contrôle à la frontière, contrôler qui fait entrer quoi, et surtout ne pas entrer avec seulement une carte d'identité, avoir une autorisation, s'il faut un visa pour entrer dans le pays. Ça va sécuriser la population. Les business, ça peut suivre, mais au moins la population sera sécurisée. Parlons aujourd'hui, le Parlement rwandais a institué une commission près la frontière de la République démocratique du Congo. Alors, nous allons ouvrir encore une autre parenthèse pour parler infiltration. Alors, quel est le mécanisme que le Rwandais utilise pour infiltrer les institutions congolaises? J'aime bien ce sujet parce que c'est un sujet que j'ai relu plusieurs fois. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose. Le Parlement rwandais disait que l'Est du Congo appartenait au Rwanda. Je pense que vous avez entendu parler. C'est que du mensonge. Par contre, l'Ouest du Rwanda appartenait au Congo jusqu'en 1909. Ça appartenait au Congo, donc ça n'appartenait pas au Rwanda. Et cette région dont je suis originaire d'ailleurs, a été rattachée au Rwanda en 1924. Donc, l'Est du Congo n'a jamais appartenu au Rwanda. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour parler de l'infiltration, il y a plusieurs façons. D'ailleurs, je pense qu'on devrait tous être prudents. Il y a la première chose, c'est les gens qui viennent comme justement faire du business. Ils viennent, ils achètent des business, soi-disant pour des commerces, pour vendre tout et n'importe quoi. Et derrière, au lieu de faire le business, il faut entrer des militaires, soi-disant pour venir. Ce sont des gens qui travaillent soit à la maison, soit des maçons, alors que ce sont des militaires qui justement à la nuit vont prendre les armes parce qu'ils ont mis des cachettes à gauche à droite pour s'attaquer à la population. Donc, d'abord, c'est le business. La deuxième chose, ce sont des femmes de ménage. Ça, il faut vraiment faire très attention. Ces femmes de ménage, ils viennent comme des gens qui cherchent du travail, alors que le but ultime, c'est chercher des informations et à employer à Kigali. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à laquelle il va falloir faire attention, surtout dans cette région de l'Est du Congo. La troisième chose, ce sont des faux enterrements. Pourquoi je parle des faux enterrements? C'est parce que les gens viennent soi-disant pour faire des enterrements à gauche, à droite, mais ces enterrements, ça ne se passe pas, même si ce sont dans des cimetières. Ça ne se passe pas d'une façon habituelle, mais ils vont enterrer des armes à gauche, à droite, et qu'ils vont y récupérer la nuit, et puis s'attaquer à la population. Et le jour suivant, vous allez entendre, telle région a été récupérée par le M23, qui est en réalité l'armée de Kagame. Donc, il y a déjà, je peux citer ces trois méthodes qui sont utilisées, et qui ont été utilisés au Rwanda. Et la dernière, donc, que je peux dire, c'est des visites. Des visites surtout des gens qui vont prétendre être des prêtres qui viennent visiter une église quelque part. Ces faux prêtres, ce sont en fait des militaires de Kagame qui vont venir, dire qu'ils vont venir prêcher, mais en réalité, ils viennent pour un objectif qui est militaire. Donc, je ne peux citer que ces quatre pour le moment, mais il faut se méfier. Je sais que les Congolais sont très croyants. Pour certains, déjà, au Rwanda aussi, c'est la même chose, mais pour certains, ils hésitent à contrôler les prêtres. Donc, ça, c'est quelque chose qui doit disparaître, contrôler tout le monde et savoir qui va où, faire quoi, pour combien de temps, et voilà. Et je pense que ce travail doit être d'ailleurs devrait être exécuté par la police, l'armée et surtout la population, donner une information aux autorités qui sont en charge de
Voilà, de l'immigration. Voilà. Est-ce que déjà cette commission, le travail de cette commission près la frontière de la République démocratique du Congo, n'a pas pour objectif de déstabiliser la partie est de la RDC? Ah, je ne dirais pas que c'est pour déstabiliser la partie est de la RDC, mais si vous parlez de cette action de contrôle, ce n'est pas pour déstabiliser, mais c'est justement pour assurer la sécurité de ceux qui sont innocents, ceux qui sont honnêtes. Honnêtement, moi, si je viens au Congo, je suis à Goma, on me demande ma carte d'identité, je ne vois pas pourquoi ça serait gênant de la montrer. Pourquoi? Si je suis venu d'une façon honnête pour faire des business, je n'aurais pas du mal à montrer ma carte d'identité à une autorité qui me la demande. Par contre, si je trouvais que c'est agressif, ce n'est pas normal, c'est que je ne suis pas là pour... Ce que je suis supposé faire, c'est que je suis là pour faire autre chose. Donc, contrôler chaque personne, c'est le prix à payer pour montrer. On dit, donc, il faut montrer pas tes blanches. Parce que sinon, c'est qu'on a quelque chose à cacher, quelque chose qui est suspect. Ce n'est pas normal. Parlons de cette logique que la partie est de la RDC dépend du Rwanda. Alors, si était le cas, pourquoi mettre en place cette commission qui, au vu peut-être de Congolais, est en train d'être aperçu comme si c'est un mécanisme pour une provocation, peut-être aussi des côtés congolais, instituer encore une commission, telle est la manière, pour essayer un peu de confronter cette réalité. Alors, tout ceci ne ramène pas à une sorte de guerre qui s'annonce déjà entre les deux parties. Moi, honnêtement, je ne pense pas, je ne crois pas qu'il y ait que toute personne honnête ne percevrait pas ça comme une guerre entre le Rwanda et le Congo, sauf que le Rwanda agresse le Congo, il faut le dire ouvertement. Mais le Congo a le droit de mettre en place tout pour sécuriser sa population. Ce que la population congolaise demande, c'est vraiment, ce n'est pas compliqué pour toute personne de bonne foi. C'est la sécurité. Donc, si le Congo est en guerre à l'est du Congo, ce qui est le cas, contrôler la population, tous ceux qui entrent au Congo, c'est normal. Ça se passe dans tous les pays. Je vois ici en Europe où je vis, dès qu'il y a eu des attentats, et je trouvais normal qu'on me contrôle, que ce soit dans le métro, ou qu'il y ait à l'aéroport ou à l'arrêt du bus. Je trouvais que c'était normal. Pourquoi ça serait déclaré une guerre quand on contrôle quelqu'un qui à la frontière, quelqu'un qui veut entrer au Congo? Parce que si moi je veux entrer au Congo et qu'on me dit « Oh, tu dois montrer ta carte d'identité », ce n'est pas déclaré la guerre. Si le Rwanda trouvait que ce n'est pas normal justement, qu'on contrôle sa population qui entre au Congo, eh bien, que sa population n'y aille pas. Mais il faut savoir que quand il y a la guerre, je peux vous donner l'exemple. Au Rwanda, tout à fait, on contrôle allez-y. Les gens. Alors qu'il n'y a pas de guerre au Rwanda. Mais on contrôle quand même les gens. Pourquoi? Parce qu'ils disent, hein, oui, mais on peut être menacé par les FDLR, donc on contrôle. Mais pourquoi le Rwanda, pardon, le Congo, qui est en guerre contre le M23, ne peut pas contrôler à sa frontière ou bien en ville? Je trouvais d'ailleurs que on devrait contrôler partout, même au restaurant, même dans des chambres d'hôtel, on devrait pouvoir contrôler qui fait quoi. Parce que aller ça, n'importe qui faire n'importe quoi, justement, les criminels s'incrustent dans ce désordre et ils commettent des attentats, justement. Il tue les civils, les innocents, alors que si on contrôlait, les innocents seraient, la vie des innocents serait épargnée. Comme nous parlons de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, est-ce qu'aujourd'hui, après le cessez-le-feu qui n'est pas respecté, le président Félix Antoine Tshisekedi était
ce week-end dernier, aller voir, rencontrer encore Lorenzo, le président angolais, pour essayer encore de revoir les accords, essayer encore de pouvoir demander à Lorenzo de vider tout ce qui était comme prérogative. Alors aujourd'hui, est-ce que si la diplomatie ne tient pas, alors quel mécanisme envisagerait la République démocratique du Congo? Moi, je pense que la diplomatie va tenir quoi qu'il arrive, parce que déjà, je l'ai dit, je ne sais plus si c'est ici, mais diplomatiquement, le Congo a déjà gagné. Pourquoi? Parce que je sais que beaucoup de pays européens n'ont pas peut-être réagi énergiquement pour condamner le Rwanda, mais il n'y a que Macron qui est venu au Congo et qui n'a pas condamné le Rwanda. Parce qu'il sait, il était parti en responsable en demandant, en présentant des excuses pour le génocide qui s'est passé au Rwanda. Alors il se voit incapable, parce que c'est un partenaire, c'est un allié qui est en train de traiter encore avec la France aujourd'hui. Alors venir en République démocratique du Congo et infliger encore à ses partenaires qui est en train de relever la tête, parce qu'il y avait des accords entre le Rwanda et la France qui n'a pas marché, et aujourd'hui Macron essaye un peu de relever encore la France dans la tête des Rwandais. Aujourd'hui, venir en République démocratique du Congo et minimiser encore le Rwanda ou prononcer valablement l'agression rwandaise, c'est laisser aussi faire quant à ce. Oui, mais je pense que là, vraiment, c'est Macron, il a montré son arrogance et son mépris envers la population congolaise. Moi, j'aurais aimé qu'il se comporte comme le roi des Belges, Philippe, s'est comporté, comme le pape s'est comporté. Il a montré vraiment de l'empathie envers la population congolaise. Donc, moi, je n'ai pas apprécié le comportement de Macron venir critiquer les autorités congolaises, soit en disant qu'il n'y a pas de démocratie, alors que, quand vous voyez ce qui s'est passé pendant les manifestations des Gilets jaunes, par exemple en France, on a éborgné les gens, où il y a des gens qui sont devenus handicapés à vie, juste parce qu'ils manifestaient. Alors, moi, je n'ai pas apprécié ce comportement. Je trouvais ça honnêtement dégoûtant de venir de soutenir la population qui est agressée, venir leur dire qu'ils ont manqué ça ou ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça n'a pas passé au niveau de, pas seulement aux Congolais, mais aux Français aussi. Ils ne comprennent pas pourquoi. Il ne faut pas oublier une chose, Kagame, il a tué les Français. Il ne faut pas oublier que l'attentat du 6 avril, dans lequel a péri d'ailleurs les deux présidents burundais et rwandais, il y avait les Français qui sont morts. Donc, venir encore défendre Kagame, ne pas condamner l'agression dont le Congo est victime par l'armée de Kagame, ce n'est pas tout le monde qui voit d'un bon œil ce comportement. Mais bon, ça c'est... Mais voilà, mais diplomatiquement, je peux vous dire que le Congo est de loin devant par rapport au Rwanda. Vous avez vu d'ailleurs ce qui s'est passé au Qatar. Et je pense que ces changements, peut-être pour certains, ce n'est pas grand-chose, mais ça fait beaucoup. Et ça change énormément beaucoup de choses. Surtout ici en Occident. Il y a déjà une question qui revient quant à cet accord de Qatar, mais je veux qu'on termine d'abord ce dossier et puis nous allons passer à ce qui concerne, c'est parce que ça coule aussi beaucoup d'encre, cet accord de Qatar. Mais déjà, est-ce qu'aujourd'hui, les conseils de sécurité, vous parlez aujourd'hui que la RDC est loin diplomatiquement, mais nous avons vu
le Conseil de sécurité de l'ONU, les membres sont venus faire les Ponce Pilate ici même en République démocratique du Congo. Nous ne voyons pas que aujourd'hui les Occidentaux abandonnent la République démocratique du Congo, malgré vous dites qu'aujourd'hui la diplomatie est loin et gagnée pour la RDC. Vous savez, ici, l'Occident ne te suit que quand il gagne. Donc, si il trouvait que le Congo était en mauvaise posture pour gagner cette guerre, je pense qu'il ne serait pas venu. Je pense que le pape ne serait pas venu, ou bien on aurait commencé à décréter des embargos contre les autorités congolaises. Mais pourquoi on ne le fait pas? C'est parce qu'il ne faut pas oublier une chose, on voit toujours de l'agression rwandaise contre le Congo, mais derrière cette agression, il y a des multinationales qui s'acharnent sur le Congo. Donc, le Congo ne se bat pas que contre le Rwanda, le Congo se bat contre des multinationales qui ont beaucoup investi au Rwanda et maintenant qui veulent piller le Congo via le Rwanda. Et c'est ce canon que M. Félix Tshisekedi est en train de boucher. Donc, boucher ce canon, ce n'est pas quelque chose qui va prendre une journée, ni même un mois, mais ça prendra des années. Il a commencé par justement interdire surtout la vente des matières premières que le Congo pillait via le Qatar. Ça va suivre, mais il faut savoir que derrière Kagame, il y a des hommes d'affaires qui ont beaucoup misé sur lui et maintenant qui sont en train de se rendre compte que ça n'ira pas. Mais changer d'avis tout de suite, tout d'un coup, ce n'est pas quelque chose qui est facile. C'est une guerre, ce que je peux dire, c'est une guerre qui prendra du temps, mais avec la détermination de la population congolaise, le jour où ils vont se rendre compte que le Rwanda ne gagne pas cette guerre, ça, le Rwanda sera abandonné. D'ailleurs, vous verrez, ça ne peut qu'être ça. Le Rwanda sera abandonné et tout ça, le Rwanda va payer. Tôt ou tard, le Rwanda va payer. Est-ce que pas quelque chose qui va s'arrêter comme ça. Est-ce que vous comprenez ces paradoxes quand le secrétaire de l'ONU, Antonio Guterres, est en train, il a parlé que le M23 est vraiment avec des munitions que même l'ONU ne possède pas, il est fortement armé, il a prouvé la puissance des M23 face à un pays, la République démocratique du Congo, face à l'ONU. Mais nous voyons la venue du pape en République démocratique du Congo a lancé un message fort. Il a dit « ôtez vos mains de la République démocratique du Congo ». Ce n'est pas une mine d'or qui peut profiter de tout le monde. Alors, tous ces paradoxes, il y a des personnalités qui sont aujourd'hui dans les prises des décisions de ces mondes, parlons ça ainsi, mais cette contradiction, ces paradoxes n'arrangent pas la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Oui, j'ai suivi ce discours, mais monsieur le journaliste, il y a une chose très importante que les gens peut-être n'osent pas dire. Je ne parlerai pas de M. Guterres, mais c'est surtout les gens qui dirigent ces grandes ces organisations internationales, ces gens qui prennent des décisions. Il y a une chose que le Rwanda utilise parfaitement et que les gens ont tendance à oublier ou ne pas dire, je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'utilisation des femmes dans ces histoires. Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, je vous ai dit, je suis d'origine rwandaise, vous le savez. Et je peux vous dire que chaque vendredi, ou le jeudi soir ou le vendredi, il y a des jets privés remplis de femmes qui décollent du Rwanda pour aller justement aller à New York, aller à London, aller à Paris, justement pour bloquer des décisions. Ces femmes vont où? C'est aller justement s'adonner à ces hommes qui prennent des décisions pour qu'ils changent d'avis ou bien ils retardent l'échéance. Mais ça finira par arriver. Donc si je vous dis ça,
c'est parce qu'il y a ces hommes d'affaires qui devraient prendre des décisions en faveur justement de ceux qui sont agressés, qui beaucoup, beaucoup sont corrompus. Vous avez vu par exemple, est-il normal que la FIFA vienne, par exemple, passer un week-end en jouant au football avec Kagame à Kigali, alors que le Rwanda est cité par l'ONU pour avoir agressé le Congo? Mais c'est tout à fait, normal. Parce que cela montre l'ignorance de la communauté internationale vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Parce que si aujourd'hui le Rwanda est pris comme l'agresseur de la République démocratique du Congo, il devait être comme la Russie qui est en train de subir des sanctions aujourd'hui. Mais le Rwanda est en train d'être toujours choyé par la communauté internationale. Aujourd'hui, la France continue son financement de capitaux. Aujourd'hui, la FIFA, nous avons vu la FIFA a tiré son intérêt d'aller passer le week-end au Rwanda pour essayer de faire tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous allons comprendre que la communauté internationale ignore la situation de la République démocratique du Congo. Pour que tout ça s'arrête, je ne dis pas que ça doit s'arrêter demain, il va falloir que la population congolaise, les autorités congolaises, l'armée congolaise restent unies et retourne la guerre d'où elle vient. La guerre vient du Rwanda. Il faut que l'étape suivante soit poursuivre non seulement chasser l'armée de Kagame du Congo, mais la poursuivre jusqu'à là d'où elle vient. Et c'est au Rwanda. Une fois que ces gens qui prennent des décisions verront que les choses sont sérieuses, le Rwanda a assez fait du mal aux Congolais, mais tout ça, ça va changer. La première chose, c'est d'abord aider les autorités congolaises et tous unis à se débarrasser d'abord, à récupérer toutes ces régions dans lesquelles on trouve encore des hommes de Kagame, une fois que ça sera fini. Parce que ce que je veux dire ici, c'est que ces gens vont au Rwanda parce qu'ils pensent que le Rwanda peut encore faire quelque chose au Congo. Et je vous dis qu'il est impossible. Au Rwanda, vu la famine qu'il y a au Rwanda, il est impossible que le Congo, le Rwanda fasse quelque chose au Congo. Oui, l'agression va continuer. Les terroristes vont continuer à commettre des attentats, à tuer des civils. Mais c'est une question de temps. Et une fois que cette guerre sera terminée au Congo, il faut que ça continue jusque là. Il faut qu'elle touche ceux qui l'ont créé. Là, vous verrez que ces gens qui viennent s'amuser, qui hésite à prendre des décisions pour condamner le Rwanda qui agresse les Congolais, les décisions vont être prises vite fait. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que le destin de la souveraineté de la RDC, de l'intégrité territoriale, est entre les mains des Congolais? Oui, tout à fait. L'intégrité territoriale est entre les mains des Congolais. C'est pour ça d'ailleurs que les Congolais se battent justement pour recouvrer les libertés, parce que en fait, on a l'impression à sous-estimer le combat que les Congolais mènent. Les Congolais ne se battent pas que pour les Congolais. Quand les Congolais sont libérés, et je vous le dis, les Rwandais sont libérés, les Ougandais aussi sont libérés, et ça va être la lumière quasiment pour toute la région de Garak. Ce combat, ce n'est pas un combat de seulement du président Félix Antoine Tshilombo ou la population congolaise seulement. Parce que quand on voit ce qui se passe en Ouganda, ce qui se passe au Rwanda, ce qui se passe au sud du Soudan, on peut se dire, ah oui, mais en fait, les gens ne savent plus parler. Je peux vous donner l'exemple du Rwanda. Au Rwanda, il n'y a pas d'opposition. Tous ceux qui ont essayé de s'opposer à Kagame, ils ont été soit tués, soit jetés en prison, soit portés disparus. Donc, c'est pour ça que je vous dis, 99% de la population rwandaise veut se débarrasser de ce régime. Mais il faut voir qui est derrière. Ceux qui sont derrière justement ce régime, ce sont ceux qui font mal, ce sont ceux qui veulent faire du business, mais sur le sang
Ce n'est pas pour rien quand on parlait de diamants, de sang ou bien voilà. Le Congo se bat pour libérer quasiment toute la région de Garat. Ce n'est pas un petit morceau de terre qu'il faut libérer. Et ça prendra du temps, mais en mettant nos forces ensemble, on ne peut qu'y arriver. Alors, monsieur Gaston, nous arrivons presque à la fin, mais je vais ouvrir une parenthèse que nous allons continuer peut-être à un prochain numéro. Mais je vous laisse déjà cette astuce. Est-ce qu'aujourd'hui, le Rwanda est en péril parce que l'accord avec le Qatar, Qatar Airways et tout qui a été accroché par l'exploitation de minerais, le minerai qui provenait de la République démocratique du Congo, qui était volé par le Rwanda. Aujourd'hui, est-ce que ces désaccords entre le Rwanda et le Qatar n'affaiblit pas la politique rwandaise ou bien l'économie rwandaise? Ah, ça, tout à fait. Je suis 100% d'accord avec vous. Je peux vous dire qu'il y avait même des usines qui avaient été construites par le Qatar à Kigali. Ces usines ont déjà fermé parce que tout ce que le régime de Kigali volait au Congo, c'est fini, ça n'arrive plus. Donc, je peux vous citer par exemple des compagnies aériennes qui sont en difficulté. Et ces compagnies sont justement gérées par, appartiennent au Qatar. Ces compagnies sont en difficulté parce que justement, tout ce que le Rwanda offrait au Qatar, ça n'arrive plus. C'est pour ça que je vous disais diplomatiquement, le Rwanda, ça n'a pas encore explosé, mais ça peut arriver à tout moment. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a la famine aussi qui menace la population. Je vous ai dit, au Rwanda, les gens meurent tous les jours. Il n'y a pas de guerre, mais la famine les tue tous les jours. Donc, les gens, il faut faire attention à une personne qui a faim, parce qu'il sait que de toutes les façons, cette personne va mourir. Elle sait qu'elle est condamnée. Donc, tout peut arriver. C'est pour ça que je vous ai dit, on attend beaucoup de la population congolaise. Donc, tout ça combiné fait que le Rwanda, peut-être, on peut montrer la bonne image aujourd'hui, mais demain, ça peut exploser. Il suffit que reste du Congo est libéré, le reste, ça va se faire tout seul. Donc, Kagame investit beaucoup dans cette guerre, justement, pour essayer de survivre quelques mois, peut-être, voilà. Mais tout peut arriver. Le Rwanda, je vous ai dit, il est en difficulté. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils allaient, le Rwanda a dit qu'il allait installer ce qu'on appelle des péages. Ça veut dire, pour arriver à une ville donnée en voiture, il va falloir qu'on paye. On a déjà, quand on a une poule à la maison, on doit payer pour. Quand on a une chèvre à la maison, on doit payer pour. C'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs dans le monde qu'au Rwanda. Parce que pourquoi? Parce que les caisses sont vides. Les gens ne sont pas payés. Tu t'imagines les gens qui travaillent pendant 6 mois sans être payés. Donc, ça, tout ça fait que le régime en fait de Kagame essaie de colmater des trous. Mais ça commence à fuir. Les fuites se trouvent un peu partout. Donc, voilà, le Congo, nos pays, justement, continuent à pousser pour que, voilà, ça explose. Et ça va arriver, tôt ou tard, ça va arriver. Je ne dis pas que c'est demain ou le mois prochain, mais le danger guette le Rwanda. Le Congo, nos pays, pousser pour que ça arrive le plus vite possible. Et c'est ce qu'on souhaite. Tout peut arriver, les dangers guettent le Rwanda. Monsieur Gaston, merci de votre disponibilité. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois parce que nous allons continuer à un autre numéro pour pouvoir mettre le Congolais et surtout la population congolaise, en particulier les Kinois, au parfum de l'information et surtout tous ceux qui sont dans l'est de la RDC parce qu'ils ont vraiment besoin de l'information et nous serons toujours là pour pouvoir informer toute la couche de la population congolaise et merci à vous de nous avoir été nôtres pendant ces moments. Merci, c'était un honneur d'être avec vous, monsieur le journaliste. Je vous remercie. On se retrouve prochainement. À tout bientôt.
Voilà, fidèles téléspectateurs, c'était l'occasion pour nous de passer en revue la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Tout ce qui touche cette partie touche la République entière. C'était la raison pour laquelle nous avons joint M. Gaston, qui est d'origine rwandaise et qui vit aujourd'hui en Belgique, en Europe. Avec lui, nous avons essayé de passer en revue cette situation sécuritaire de la partie est de la RDC. Restez branchés, car le futur reste meilleur. Au revoir. Le Congo doit changer, parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo-là est possible et je vous promets de vous le donner. We'll be right back.